Salut tout le monde. Daniel Engedi a joué avec Rebelback Phoenix et Venus Principale tout en menant son projet Isom depuis 2015. Un multi-instrumentaliste assez porté sur le shoegaze et le post-rock ambiant. L'an passé, il sortait Aurora en solo, cette fois. Un album 8 titres de 70 minutes accompagné par du beau monde, jugé par vous-même. Des chanteuses comme Sylvain ou Camille Gilberg et le bassiste de Catatonia, pour n'en citer que trois. Chaque titre de Aurora dévoile le chant d'une nouvelle artiste envoûtante, sans que l'album vire au patchwork. Bien au contraire, les 8 morceaux forment un tout cohérent, et d'ailleurs, c'est son petit défaut, surtout lorsque l'on considère sa durée. Cohérent, oui, mais pas exempt de différence pour autant. Wave, chanté à deux voix par Camille Gilberg du groupe Ocean of Somber et Daniel, est à tomber par terre. 9 minutes d'abord cinématiques post-rock qui vont crescendo, qui constituent un des moments forts de cet album. Mais j'avoue, j'adore la voix et le timbre de Camille. Celestial, avec Gogo Melon du groupe Luna Obscura, m'a également tapé dans l'œil avec son écriture proche de la musique d'Anathema. Post-rock ambiant et voix éthérée habitent des morceaux de 7 à 12 minutes, des titres qui offrent un agréable fond sonore, mais qui manquent de caractère pour maintenir une écoute attentive. Quelques bordées de growl auraient sans doute donné plus de relief à Aurora. Aurora est une collection de très belles voix féminines sur du post-rock atmosphérique. Mais pour que la collection soit complète et que l'album ne devienne cultissime pour certains metal geeks, il aurait fallu inviter par exemple Aneke, Flor, Marcella ou Jobeth à chanter. Pour la musique, Daniel donne dans le post-rock avec de beaux traits de guitare, parfois flaudiens, une batterie assez discrète, des volutes de clavier et des chœurs évanescents. D'ailleurs, Daniel recommande de l'écouter du début à la fin, au casque, les yeux fermés, comme une méditation musicale censée apaiser celui qui l'écoute. Ouais, alors faites gaffe cependant à ne pas vous endormir quand même. 1h10 de musique apaisante, les yeux fermés, moi j'appelle ça une très grosse sieste. La semaine prochaine, on restera dans les chanteuses. D'ici là, faites de beaux rêves. Bisous.